Je m'appelle Labib Kallas, je suis Libanais. J'ai étudié l'œnologie à Montpellier. Il y a déjà, ça remonte à plus de 20 ans déjà. On m'a défié d'aller faire du bon vin en Égypte, comme le vin égyptien n'était pas à la hauteur ce qu'on espérait. Et depuis 2001, on a commencé la plantation de la vigne. On a introduit des cépages internationaux en Égypte. On a planté dans le désert. Et je veux dire, depuis 2005, on a mis le vin sur le marché. C'est une grande plantation. On a 200 hectares de vignes en vin bio. Donc on produit deux cuvées de vin qui sont complètement bio, le Jardin du Nil et le Beau Soleil, qu'on va goûter si vous voulez. On produit d'autres cuvées qui ne sont pas bio parce que le raisin qu'on ramasse dans nos vignes sont mélangés avec d'autres raisins qui sont achetés sur le marché. L'année dernière, on a produit 17 000 hectares. Ce qu'on cherche ici, c'est la notoriété. On cherche à ce que notre vin soit reconnu en Europe, parce que pour la clientèle égyptienne, dès qu'un vin il est vendu en Europe, il est bon. Donc ce qu'on cherche, c'est cette notoriété. Et qu'est-ce que vous pensez du salon? Vous y êtes depuis ce matin, comment ça se passe? C'est pas notre première année, on vient pour la cinquième fois. La première année, on était venu juste pour voir le salon, pour rencontrer des gens, pour voir comment ça se passe. Et depuis 4 ans, on fait chaque année ce salon, on est toujours ravis d'y retourner, de rencontrer les gens, ils sont tous sympas, ils aiment le vin. Et puis le vin égyptien, il est une attraction dans le salon parce qu'on est les seuls le vin un peu exotique. Est-ce que vous avez des attentes particulières face à ce salon ? Écoutez, on ne cherche pas à vendre des volumes extraordinaires à exporter dans le monde, dans les pays vinicoles. Ce qu'on cherche, c'est quelques cavistes qui seraient intéressés par des vins qui sont de très bonne qualité et qui viennent, c'est des vins de curiosité, moi je les appelle. Donc une clientèle attentionnée qui cherche des vins très particuliers. Voilà, donc on cherche quelques cavistes très spécialisés. Bonjour, je suis donc Nathalie Coquel, je suis vigneronne dans le Var, à Brignoles, et je suis aussi actuellement présidente de la Fédération des vignerons indépendants du Var. Et que fait cette fédération concrètement ? Alors, la Fédération des vignerons indépendants représente la filière métier des vignerons qui vinifient en cave particulière. Donc il y a le mouvement national des vignerons indépendants de France qui se décline en plusieurs fédérations départementales. Et voilà, je représente le Var, la Corse et aussi les Alpes-Maritimes. Et quel est le lien des vignerons avec le bio? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à en faire? Oui, alors on voit surtout sur la zone du sud, effectivement on a un beau climat quand même chez nous, donc ce n'est pas trop difficile de passer en agriculture biologique. On voit un très fort développement des conversions. Donc au niveau des vignerons indépendants, je pense que dans le sud c'est difficile, on n'a pas toujours les chiffres très exacts, hein, mais on est au-dessus de 20% de la surface en agriculture biologique. Et on voit ce mouvement également chez les caves coopératives. Nous avons dans le Var 43 caves coopératives et bon nombre d'entre elles commencent à faire des cuvées biologiques. Vous me disiez que comme on est dans le sud, c'est plus facile pour le vin bio. Pourquoi ? Alors le climat déjà au niveau, bon, la partie vinification, je ne pense pas qu'il y ait un effet terroir, territoire pour la facilité, mais pour accéder dans les vignes alors qu'il faut travailler la terre, c'est toujours plus facile si nous sommes dans un terrain sec où il y a un bon petit mistral qui vient après la pluie pour sécher tout ça et faire qu'on puisse cultiver de façon saine nos vignes. Hein, à partir du moment où on n'utilise que des produits préventifs et non pas curatifs, les risques sont beaucoup plus grands, plus c'est humide. Et qu'est-ce que vous pensez de millésime bio, de ce salon ? Alors, à titre de vigneronne, je viens dans ce salon depuis maintenant 6-7 ans.
Je l'ai vu évoluer. Je ne fais pas partie des premiers qui ont vu une vingtaine d'exposants et une vingtaine de visiteurs les premières années. Mais rien que ces 6-7 dernières années, j'ai vu un fort développement. On voit des exposants qui viennent du monde entier maintenant, ainsi que des clients potentiels qui viennent du monde entier. Donc ça se globalise. Tout ceci est très bon pour faire reconnaître l'importance de la biologie sur notre planète. C'est important. Voilà. Ben je vous remercie. Moi, je vous en prie. Et un bon salon. Ouais, merci.